Yeah. Money never sleeps, pal. Money, money, money. Must be funny. In the riches, girl. Oh, the riches, girl. If I get a little money. Il faut bien admettre en effet que quelques petits excès ont été commis. D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20. Money, money. Ils avaient le droit de faire ça. Pourquoi ? Le droit. Money, money. Avec moi, vous êtes sûr de revoir money. Votre argent. Money. I want you to deal with your problems by becoming rich. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Alors, bonjour à tous. On est à nouveau très heureux de vous retrouver. Donc, pour prolonger ce cycle, plus largement des propositions, et donc ce chapitre qui est dédié aux monnaies locales. Donc, pour ceux qui ont pu suivre les épisodes précédents, donc on a présenté la pêche, qui est la monnaie d'Île-de-France et de Paris, puis ensuite la doum, la monnaie de la région, enfin plus largement de la région autour du Puy-de-Dôme, enfin de la région du Puy-de-Dôme, pardon. Et puis donc aujourd'hui, on va vous présenter la roue, qui est donc la monnaie de Provence et des Alpes du Sud. Alors, pour vous présenter donc la roue, donc Violette qui est chargée de mission au service du développement économique de la communauté d'agglo du Grand Avignon et donc qui va nous parler de cette spécificité de la roue, d'avoir cette dimension d'une collectivité qui prend place dans une monnaie locale. Et puis donc Nicolas, qui est membre actif de la roue d'Arles, économiste et rapporteur au sein de la loi 2014 sur les monnaies locales. Et puis Damien, qui est membre actif de la roue d'Aix et coprésident du mouvement Sol. Voilà, donc je leur laisse la parole et on lance donc la première question sur les origines de la roue. Eh bien bonjour, donc je suis Damien, des bénévoles de la roue à Aix, comme Emmanuel l'a dit. Moi je suis bénévole dans les monnaies locales depuis 2016, j'étais à Grenoble pendant 2 ans, participé au lancement du Cairn, et puis après j'ai déménagé en Provence et du coup naturellement je suis allé à la roue. Voilà, c'est un projet qui a pas mal de particularités dont on va parler aujourd'hui, ça m'a pas mal intéressé. Voilà, et donc je vais commencer par parler un peu des origines de la roue. Donc la roue, en fait, c'est une des premières monnaies locales qui a démarré en France en 2011. Elle a démarré le 11 novembre 2011, donc 11-11-2011, ça fait un peu plus de 10 ans du coup aujourd'hui. Elle a démarré à Lille-sur-Sorgue, dans le Vaucluse, et c'est d'ailleurs de là dont vient la première raison que ça s'appelle la roue, puisque à Lille-sur-Sorgue, il y a beaucoup de roues à aubes, comme en Provence d'ailleurs, des moulins avec des roues à aubes. Et donc, sur les billets, on a des petites roues à aubes qu'on voit en filigrane en fait du billet. La roue, c'est aussi un anagramme de l'euro. Donc voilà, et puis c'est aussi la roue, ça tourne, donc un peu le principe des monnaies locales, que ça circule. Voilà, donc en 2000, quand ça s'est lancé en 2011, ça faisait quelques mois, une petite année, que des militants travaillaient sur comment, à leur niveau, localement, on pouvait répondre à la crise économique de 2008. Et donc, cette crise, voilà, Nicolas montre un billet de roue avec la roue à aube. Donc, cette crise, c'est la crise qui a créé beaucoup de problèmes en Grèce, notamment, crise des subprimes, enfin, pas mal de choses dont on se souvient plus trop maintenant, mais qui n'a pas vraiment été réglé au niveau macro. À l'époque, les citoyens se sont dit, bon, il faut qu'on fasse des choses localement pour se réapproprier la question de la monnaie et qu'on évite de reproduire ce genre de crise à l'avenir. Et donc, les monnaies locales font partie des solutions qui ont été mises en place localement. Donc, la première en France, c'était à Villeneuve-sur-Lot.
qui s'appelle l'Abeille. Et puis après, il y a eu les Lucioles en Ardèche. Et la roue est venue quasiment juste derrière avec le Sol Violette dans la région de Toulouse. Donc au départ, c'est vraiment un projet lié à la réponse aux problèmes économiques, à cette crise économique. L'idée d'avoir un moyen qui permet d'éviter la crise économique, et puis petit à petit, ça s'est élargi, en fait, pour avoir un outil qui permet de valoriser l'économie locale, qui permet de valoriser le lien social, etc. On va en reparler après. Donc, chez nous, du coup, ça a démarré le 11 novembre 2011 à l'Île-sur-Sorgue, puis après dans le Vaucluse en 2012. Voilà. Ensuite, il y a eu à la roue des groupes locaux qui se sont étendus, donc à divers endroits du territoire. Voilà, des gens entendaient parler de l'idée, et plutôt que de recréer leur propre monnaie dans leur coin, bah, ils se sont dit, plutôt que recréer la monnaie, on va utiliser la même et on va la développer petit à petit. Donc, il y a eu d'abord à Marseille, début 2013, un premier groupe qui s'est lancé, puis à Salon de Provence en 2014, puis dans les Alpes de Haute-Provence en 2016. Et donc à ce moment-là, ça commençait à faire déjà trois endroits qui sont assez éloignés du Vaucluse qui l'utilisaient, en plus du Vaucluse. Et donc il y a eu l'idée de dire, bon, on va essayer de diviser le projet entre plusieurs associations pour qu'il y ait un ancrage local du projet tout en gardant la même monnaie. Donc c'est comme ça qu'est née du coup une association fédérative qui s'appelle le Sève la Roue, qui est notre association qui regroupe les différentes roues. Puis ensuite, du coup, d'autres associations sont nées et d'autres utilisations de la roue du coup sur le territoire. Donc il y a eu à Aix-en-Provence, à Arles, puis dans les Hautes-Alpes. Aujourd'hui, ça fait sept associations qui utilisent la roue sur un territoire qui couvre quatre départements, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Provence-Alpes du Sud, et c'est aussi la vallée de la Durance, qui historiquement est un lieu d'échange économique assez intense entre les Alpes et les territoires, on va dire, plutôt alpins, ruraux, et les territoires urbains du bord de la Méditerranée. Donc, ça suit cette logique-là. C'est important, là, ce que raconte Damien, pour comprendre effectivement une des spécificités de la roue sur laquelle on reviendra à plusieurs reprises. Hein. C'est cette histoire d'articulation entre un niveau relativement local et un niveau un peu plus large. On viendra à plusieurs reprises sur comment ça marche, mais pour compléter un petit peu cette historique, donc moi, je suis bénévole à la roue arlésienne, Pays d'Arles, mais ça fait un moment que je traîne dans les monnaies locales. Il se trouve que, un peu par hasard, j'ai été donc le rapporteur de la mission interministérielle sur les monnaies locales, puisque ces monnaies qui commençaient à émerger à partir de 2008, le gouvernement s'est posé la question, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? On les interdit, on les encourage, on laisse faire. Et donc, il y a une mission qui s'est lancée à l'initiative de quelqu'un qui était ministre des Finances, ministre du Logement à l'époque, qui s'appelait Cécile Duflot, et quelqu'un qui était ministre de l'Économie sociale et solidaire, qui s'appelait Benoît Hamon. Une mission interministérielle sur le sujet qui a rassemblé les acteurs, aussi bien donc les gens qui avaient créé ces monnaies locales, que des académiciens, que des praticiens de la monnaie. Enfin, il y avait pas mal de monde. Et c'est quelque chose qui a effectivement débouché sur l'arrivée des monnaies locales dans un cadre légal. On y reviendra peut-être. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi aussi, à un moment, j'étais à Marseille. En 2012, on avait voulu créer une monnaie locale et on l'avait appelée le Gaston. C'est une monnaie qui n'a pas marché, c'était pas simple à mettre en marche, etc. Et effectivement, c'est juste après qu'il y a d'autres personnes qui ont voulu relancer une monnaie locale à Marseille. Et quand Damien dit que la roue est allée à Marseille, en fait, c'est des gens qui se sont dit, mais en fait, il y a déjà une monnaie locale qui arrive, il y a déjà des économies d'échelle qui sont possibles. Il y a déjà des gens qui ont pensé sur qu'est-ce que c'est qu'un billet, où est-ce qu'on peut le faire imprimer, quels sont les codes de sécurité qu'on peut avoir pour que ce soit pas juste un simple bout de papier, quel est le circuit qu'on peut mettre en place. Et ils sont tournés naturellement vers la première monnaie locale de la région, qui était celle qui était née dans le Vaucluse. Voilà, enfin, je peux juste sur Arles, je vois bien comment ça s'est passé aussi, hein, puisque j'étais là quand on a décidé de prendre la roue. On s'est réunis. C'est un travail très long de mettre en place une monnaie locale. Ça regroupe en général des citoyens qui travaillent ensemble pendant plusieurs mois pour savoir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont décider. Et on savait qu'on allait mettre en place une monnaie locale, mais on ne savait pas encore qu'on allait mettre la roue. Et pareil, concrètement, on s'est dit, soit on crée une monnaie locale sur notre territoire. Le territoire d'Arles, c'est un territoire qui est
pas très étendu. Alors en kilomètres, il est très étendu, mais en disons en possibilités économiques, ça nous semblait beaucoup plus intéressant de rejoindre une monnaie qui avait déjà, donc à l'époque, le pays salonais, qui est notre voisin, pays salonais qui lui-même avait créé une monnaie une première fois, qui s'appelait le Nostra, qui n'avait pas trop marché, notamment pour des questions de territoire, et qui avait rejoint la roue. Il y avait évidemment Vaucluse dans laquelle la roue tournait, il y avait Marseille et Aix, il y avait les Alpes qui arrivaient. Donc voilà, cette articulation entre le local et le super local, on va dire, c'est quelque chose qui est assez important, je pense, pour le projet de la roue. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est intéressant de rappeler le fait que c'était pas inné de dire qu'on allait tous rejoindre la roue et de voilà qu'on n'allait pas perdre en même temps notre identité locale de territoire dans un grand maillage un peu régional. Avec ça a été la même question. Il y a eu le film Demain en fin 2015 qui a spontanément créé un groupe de réflexion au sein des réseaux Alternatiba d'Aix sur la création d'une monnaie locale. Et donc pareil, ils ont dit on va créer une monnaie locale. Mais ils ne savaient pas s'ils allaient créer leur propre monnaie avec un nom propre à Aix ou s'intégrer dans la roue. Et pourtant, Pays d'Aix était en plein milieu de Marseille, Vaucluse et les Alpes d'Haute-Provence. Donc, c'était quand même assez évident d'aller vers la roue. Mais ça n'a pas été non plus une évidence de départ. Donc, il y a eu des réflexions et assez des arguments, on va dire, pragmatiques sont arrivés assez vite. Nicolas a raison en disant que c'est pas simple de mener une monnaie locale. C'est pas simple de la lancer. C'est pas simple de la mener après sur plusieurs années. Et que c'est très utile du coup d'être dans un réseau déjà d'associations qui travaillent ensemble parce qu'on peut mutualiser plein de pratiques. Et en même temps, on peut aussi garder notre propre spécificité en local. Et donc, c'est tout l'intérêt d'avoir cette double structure. Donc, on en reparlera après. On voit ça aussi de la même manière que, par exemple, cette émission va regrouper plusieurs monnaies. Donc, c'est pareil, le principe des monnaies locales, c'est qu'il y a cette volonté de coopération. Et il y a, à travers Sol, que Damien connaît bien, le mouvement Sol, mais il y a aussi l'envie d'articuler des différents projets de monnaie locale. Alors, chacun reste dans son coin, chacun reste complètement souverain sur ce qu'il a envie de faire, mais en même temps, la question des la réplication des projets, les économies d'échelle, encore une fois, j'y reviens, l'envie de mettre des moyens en commun, c'est quelque chose qui, à mon avis, fait une force de ce mouvement des monnaies locales. Hein. On rappelle qu'il y en a plus de 80 qui fonctionnent aujourd'hui en France. Dans le monde américain. Tout à fait. Donc là, on est fin 2017, on est sept autour de la table. À cette association locale et au sein d'une travailler ensemble au sein d'une association régionale et le projet du coup on commence à avoir l'idée de le développer au-delà juste de mutualiser la même monnaie sur un territoire et d'être complètement indépendants les uns par rapport aux autres et d'avoir toute latitude et donc on se dit ce serait quand même bien tout en gardant la latitude localement qu'on ait un projet régional. On commence à se dire ça sur différentes choses, à se dire on pourrait mutualiser des sites internet, on pourrait mutualiser des outils de travail, on pourrait essayer de faire des partenariats à une échelle régionale. Par exemple, l'idée de faire un partenariat avec Enercop, PACA, et qui est pour le coup un acteur régional, est venu assez rapidement. Enercop va adhérer chez qui ? Est-ce qu'il ne doit pas adhérer d'abord à Marseille ? Non, en fait, il devrait adhérer un peu chez tout le monde, puisque tout le monde peut aller chez Enercop PACA. Voilà, donc il y a eu des réflexions, on a eu un premier travail, on a fait des ateliers de structuration, de changement d'échelle, c'est des questions qui reviennent très souvent chez nous. On a commencé aussi à travailler avec des collectivités locales qui s'intéressaient localement à notre sujet. Donc à Aix, on a eu la ville de Venelle qui adhère depuis 3 ans, une ville de 10 000 habitants, Venelle qui est au nord d'Aix-en-Provence, et qui nous a donné une petite subvention et met en place différents projets. On peut par exemple payer certains services publics en roue à Venelle. Et puis il y a eu des collectivités plus importantes qui sont entrées. Par exemple, on parlera du Grand Avignon juste après. Je veux juste préciser que la roue au départ, ça a été le projet régional a intéressé assez rapidement la région PACA dans les années 2015-2016. Parce qu'il y avait justement un territoire qui était plus grand que le territoire d'un bassin de vie classique d'une monnaie locale et que du coup la région pouvait peut-être plus facilement soutenir ce genre de projet qu'un projet qui était un peu trop petit par rapport à son échelle. Sauf que ça a marché pendant 2-3 ans et puis quand il y a eu un changement de majorité, on a perdu le soutien de la région qui était un soutien, on va dire, purement financier. Il n'y avait pas vraiment un soutien de projet, c'était un soutien de subvention. À partir du moment où on est sorti de ça un peu de manière subie, hein, nous ça a été complètement subi de perdre ce soutien-là. À peu près en même temps, il y a eu l'idée d'essayer
comme je disais pour Venel, mais d'essayer de travailler avec des collectivités pour, au-delà de la question financière, travailler en mode projet avec les collectivités territoriales. Et donc de faire de la monnaie locale un outil de développement territorial, de faire une économie résiliente, mais vraiment en lien avec la collectivité. Et ça, c'est présent à la roue depuis, je crois, 2016. Je pense qu'il me semble que la ville de Digne avait adhéré en 2016 à un moment, et que petit à petit, après, les communes se sont intéressées à cette chose-là. Et Violette est là pour le Grand Avignon, qui est, dans les trois dernières années, qui est peut-être la collectivité où il y a eu le plus de développement à ce sujet. Je ne sais pas si Violette, tu veux en dire un mot dessus. Oui. Du coup, effectivement, donc, je travaille au sein du service développement économique du Grand Avignon. Le Grand Avignon travaille avec Sève 84, donc la roue en Vaucluse, depuis plusieurs années. La première subvention, si je ne me trompe pas, c'était en 2017. Et c'était sur vraiment le prisme de l'économie sociale et solidaire que ce partenariat a démarré. Effectivement, il y avait l'idée de, par la compétence économique, développement économique de l'agglomération, travailler sur des projets. Donc, il y a plusieurs choses qui avaient été évoquées. Je sais qu'il y a la question notamment de comment faire le lien avec les touristes qui sont très nombreux sur notre territoire. Il y a des... question de savoir aussi comment faire le lien avec des étudiants. Il y avait plusieurs pistes de travaux qui ont démarré. Et c'est aussi la ville d'Avignon qui a initié un certain nombre d'actions avec la roue. Et donc, notamment, je pense aux éco-défis des commerçants. Je ne sais pas en quelle année exactement ça a démarré. Voilà, c'est un exemple d'initiative où le partenariat est allé au-delà de la subvention, même si la subvention était un des premiers liens avec l'association quand même. Je pense qu'on pourra préciser peut-être plus tard les autres projets qui sont venus par la suite, qui ont pris plus d'ampleur. Ok. On voit... Dans ce que dit Violette, on voit l'importance des collectivités territoriales, on en reparlera, mais aussi de cette articulation. Moi, ce que j'aime bien, c'est que, par exemple, l'histoire du tourisme, elle est intéressante. Pour ceux qui connaissent un peu la France, l'été, il se passe pas mal de choses. Il y a notamment un festival à Avignon. Alors, pas tous les ans, parce que depuis deux ans, c'est un peu compliqué. Enfin, mais globalement, il y a quand même, en temps normal, hors crise sanitaire, il y a des touristes qui viennent à Avignon et qui souvent passent après quelques jours à Arles, aux rencontres internationales à photo. Qui vont peut-être aller à Aix écouter de l'opéra ou je ne sais, ou vice-versa, je ne sais pas dans quel sens ils vont faire ça, et vont aller finir sur les calanques marseillaises. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une identité de la région telle qu'elle se dessine, de fait, par la roue. Ce qui est intéressant dans les monnaies locales, c'est que c'est aussi des objets qui permettent de repenser les territoires. Et là, ce qu'on voit, c'est que de fait, sans que chacun se soit senti forcé, de fait, on est en train de reconstruire quelque part avec notre monnaie locale une articulation économique historique, et le tourisme par exemple, c'est un exemple, mais je cite le tourisme parce que si vous dites tourisme, vous dites forcément puissance publique, parce que ça veut dire que c'est les offices du tourisme, parce que ça veut dire que c'est les municipalités, parce que ça veut dire que c'est les collectivités territoriales, enfin les communautés de communes. Voilà. Et donc elle a parlé d'Avignon, c'est aussi intéressant quand on va voir des collectivités territoriales en tant qu'animateur d'une monnaie locale. On essaye d'avoir plusieurs types de contacts, et le premier contact, c'est quand même déjà que les collectivités territoriales aient entendu parler de nous. Alors ça, c'est quelque chose qui, depuis la crise sanitaire, le local est à la mode, on va dire, donc c'est plus facile de rentrer, de pousser certaines portes. Mais il y a la deuxième étape, c'est qu'elles parlent de nous. Et effectivement, la ville d'Avignon, très vite, parlait de la roue comme étant une des possibilités pour faire avancer les choses. Et je repense au défi que tu as évoqué, Violette, là, sur Avignon. Mais il y a aussi le fait que, à Arles et à Avignon, il existe quelque chose qui s'appelle le Crédit Municipal d'Avignon, hein, qui est une antenne à Arles, qui est très étroitement, la mairie est à son conseil d'administration, et ça veut dire que de fait, nous, quand on va voir des commerçants, quand on va leur parler de la monnaie locale, on peut leur dire que, par exemple, on a une banque qui est membre
de la monnaie locale, une banque locale. Et ça, c'est aussi une manière très importante de soutenir le projet. Peut-être préciser le rôle du crédit municipal, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les monnaies locales. En fait, peut-être préciser. Vas-y, je me parle. En fait, notre fonds de garantie, donc les euros en fait, qui sont collectés en échange de la mise en circulation des unités de monnaie locale, donc des roues, ils sont stockés en banque voilà, pour servir de gage au cas où la monnaie s'écroulerait, on doit pouvoir rembourser tout le monde. Et donc, ils sont dans des banques qui ne sont pas n'importe lesquelles. Hein, on ne va pas travailler avec des banques pas éthiques. Donc, on travaille avec deux banques à la roue, on travaille avec la NEF et avec le Crédit Municipal, du coup, d'Avignon pour le coup. Et donc, il y a une partie du fonds de garantie qui est dans cette banque. Ça veut dire que du coup, il y a une réserve monétaire qui est là-bas et qui peut servir cette réserve à être adossée à des prêts pour des professionnels qui sont choisis par le Crédit Municipal du coup et aussi par la roue pour certains. Mais du coup, voilà, l'idée que le Crédit Municipal, il est partie prenante de la roue d'une certaine manière parce que l'argent des euros est stocké là-bas et donc voilà, il y a une masse monétaire qui est là-bas et c'est un choix de la mettre là-bas et pas dans une autre banque en particulier. Ça veut dire qu'on passe à la question suivante ? Je pense qu'on peut. Quel type d'échange ? Les monnaies locales par rapport à... Les monnaies locales sont des monnaies locales complémentaires, on dit MLC quand on aime les acronymes. Monnaie locale complémentaire, mais des monnaies complémentaires, il en existe plein. Damien vous a dit que ce qui existe sur le territoire aujourd'hui, et ce dont on parle, les fameuses MLC, elles sont nées avec la crise de 2008. Mais les monnaies complémentaires, il en existe plein, il en a toujours existé, et il y en a certaines que tout le monde utilise sans même avoir conscience que ce sont des monnaies complémentaires. C'est ce qu'on appelle des monnaies complémentaires affectées. C'est-à-dire qu'elles sont affectées à un certain type de dépenses. Par exemple, l'exemple type, c'est les chèques déjeuner, les tickets restaurants. Les tickets restaurants, c'est une monnaie que vous recevez, mais que vous ne pouvez utiliser que pour un certain type de dépenses. La spécificité des monnaies locales complémentaires, c'est qu'elles ne sont pas affectées. Vous pouvez, avec les monnaies locales complémentaires, imaginer que vous achetez n'importe quoi, sous condition qu'il y a quelqu'un qui veuille payer un bien ou un service qu'un professionnel va offrir. Le côté complémentaire par rapport à l'euro, c'est que c'est circonscrit à un territoire. Donc, quel type d'échange ? On va dire que ça peut concerner tous les échanges sur un territoire donné. C'est ça. Et donc, la question du coup est la question du territoire. Donc, à la roue, on a double échelle de territoire. On a du coup, les territoires des bassins de vie, Aix, Arles, le Vaucluse, le bassin de vie de Marseille, etc. Et le territoire régional. Et donc, chez nous, la roue, elle circule sur l'ensemble des 7 territoire et en fait c'est comme les pièces d'euro, il y a une face du billet qui est commune et une face qui n'est pas la même, qui est différente en fonction des territoires. Et ça veut pas dire que les billets sont valables partout. Donc peut-être Nicolas tu peux montrer, sinon j'en ai quelques-uns dans la poche aussi. Voilà. J'ai deux billets, on voit que les... Alors où est-ce qu'ils sont ? La première face est la même, il faut que je la mette dans le même sens. La première face est la même et la deuxième face est différente. Là, en l'occurrence, vous avez un billet du Vaucluse et un billet de la roue du Pays d'Arles. J'imagine que Damien, tu dois avoir des billets avec soi. Ouais. Essayer sur toi, j'en ai besoin. J'ai un billet d'Aix. C'est le dessin, c'est la Sainte Victoire voilà, qui a été peinte. Et j'ai un billet des Hautes-Alpes, voilà, avec la montagne de Céuse. Voilà. Mais de l'autre côté, on reste sur la même idée. Alors ça, c'est un billet de 20, du coup, voilà, il n'a pas la même couleur que le billet de 1, mais voilà, c'est idée-là. Donc, on a du coup un niveau de local au niveau… on a plusieurs niveaux de local, en fait. Alors, on a souvent du mal à définir ce que c'est local. Chez nous, local, ça ne veut pas dire la même… Enfin, chez nous, local, c'est 4 départements, le territoire qu'on a défini avant. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que les échanges se font surtout en billets estampillés X, à 90% dans le pays d'Aix, et puis on voit quelques billets arriver des autres régions, des autres bassins de vie. Donc on est à plusieurs niveaux de local. Mais par contre, ce qui est intéressant d'avoir ça, c'est qu'on a beaucoup moins aussi de reconversion. Puisque du coup, vu que la monnaie, on peut plus facilement échanger, on a sur les marchés à Aix des producteurs qui viennent des Alpes de Haute-Provence, mais du coup, ils peuvent utiliser la roue.
et ils peuvent la réutiliser chez eux derrière pour leurs dépenses, etc. Donc on a du coup des échanges, on va dire, inter-bassins de vie qui se créent, même si on voit que l'essentiel des échanges se fait avec la monnaie, on va dire, estampillée du bassin de vie de base, quoi. Voilà. J'en profite pour dire l'exemple des billets et du côté local, ça rejoint la question de la démocratie qu'on a quand même pas encore évoquée concrètement jusqu'à présent, mais qui fait partie du sujet et qui, en tout cas pour beaucoup de personnes qui se lancent en tant que bénévole ou en tant qu'utilisateur de la monnaie locale, qui fait partie du projet. Ça, c'est un exemple. Quand on a décidé de faire des billets, de rentrer dans la roue, quand on a décidé à Arles que notre monnaie locale, ce serait la roue, on est allé voir les gens de la roue avec la roue qui tournait déjà. Ils nous ont dit, si vous voulez, vous pouvez personnaliser la face des billets que vous allez vous-même mettre en circulation. Je rappelle que la mise en circulation d'une monnaie locale, c'est un utilisateur adhérent de l'association qui vient dans un comptoir de change, dans un bureau de change, donner des euros en échange desquels il reçoit des roues, une roue pour un euro. Il repart avec ses roues dans son porte-monnaie, donc des billets, vous avez vu des billets de 20, des billets de 1, des billets de 2, de 5, de 10. Et c'est ça qu'on met en circulation. Donc, dans les 7 territoires, dans les 7 associations, il y a des billets qui sont mis en circulation. Et donc, on nous a dit, vous pouvez personnaliser la face. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé avec tous les adhérents de l'association qui étaient en constitution, mais aussi on a fait un appel à l'ensemble des citoyens du Pays d'Arles. On a mobilisé la presse, la presse quotidienne régionale, et puis les réseaux sociaux, etc., pour savoir ce qu'on allait mettre sur cette face, cette deuxième face de billets. C'est-à-dire qu'à la fois, on a dit aux gens, on ouvre un concours, envoyez-nous des illustrations, des photos, etc. Puis après, on a proposé parmi celles qui plaisaient le plus, on a mis en place une consultation pour savoir quelle allait être l'illustration choisie. Ça, c'est un exemple d'ancrage démocratique de la monnaie locale. C'est-à-dire que la forme même du billet, on a des contraintes. Vous voyez là qu'il y a une petite bande qui brille. Enfin, ce sont des billets qui sont plus difficilement falsifiables que si c'était juste une photocopie de quelque chose. C'est pas simple à refaire. Donc, il y a des contraintes techniques. Mais il y a une partie qui est laissée aux citoyens. Toutes les personnes qui veulent s'emparer du sujet auraient pu proposer un visuel. Tout le monde a pu voter. On a eu plusieurs centaines de réponses pour finalement décider de ce pont Van Gogh qui est juste au sortir d'Arles. C'est ça. Donc là, du coup, je rebondis sur ce que tu dis, Nicolas, la question de quel type d'échange. Là, on est sur des échanges du coup démocratiques, enfin de décider quelle image on va mettre sur le versant d'un billet. On a aussi d'autres exemples dans la démocratique. Alors, on a créé un billet de 13 là il y a un an et demi. Voilà, pourquoi un billet de 13? Alors 13, c'est parce que c'est les Bouches-du-Rhône. C'est aussi la chance, mais c'est aussi parce que on échange et on s'est dit que ce serait chouette d'avoir un billet qui sorte un peu de l'ordinaire des valeurs classiques de la monnaie, justement pour faire parler du projet. Et ça, c'est parce que dans les différents bénévoles des associations, on a considéré que c'était intéressant de faire ça, et c'est à suite d'échanges, c'est une manière pour nous de faire connaître le projet. Et tout ça pour dire que on parle souvent des monnaies locales comme on va les résumer à des échanges purement économiques. En fait, c'est assez réducteur de les résumer de cette manière là Comme l'a dit Nicolas, il y a des questions d'échange démocratique, citoyenneté, on va dire, mais il y a aussi du coup des échanges qui vont relever de la solidarité. C'est-à-dire que quand on rentre dans une boutique avec un billet de monnaie locale, souvent le commerçant, il va pas nous regarder pareil que si on était un simple consommateur classique. Et puis du coup, on va créer une discussion avec lui. On se connaît et du coup, on est plus résilient derrière si jamais on est à un moment donné de crise. On a aussi des choses qui sont valorisées avec les monnaies locales, c'est le fait que ça renforce en fait les synergies entre les personnes sur un territoire. Donc par exemple, on a eu au Mouvement Sol, donc la Fédération des monnaies locales, la Fédération nationale, a fait une étude d'impact social des monnaies locales pendant 2 ans. En demandant en fait à différentes monnaies locales et à ses membres, en posant un certain nombre de questions. Et en fait, cette étude a montré par exemple que 80% des professionnels qui acceptent la monnaie locale ont déjà recommandé un confrère à d'autres personnes de leur entourage. C'est-à-dire que cette monnaie va créer de la solidarité. Et ça se chiffre pas en termes économiques,
Même si voilà, il y a quand même des échanges qui se font en monnaie locale, mais il y a aussi des gens qui ont de la monnaie locale et qui des fois ne payent qu'une partie en monnaie locale, qui vont payer en euros. Mais l'important, c'est qu'on recrée du lien avec des acteurs locaux, avec des personnes. Là où la société, on va dire classique, essaye de plutôt de nous individualiser, de nous voilà, de résumer l'acte, on va dire économique, par juste un acte, une transaction financière. Alors qu'en fait, c'est bien plus que ça. Et la monnaie locale, elle est aussi là pour valoriser des savoir-faire d'un territoire et donc des vraies personnes qui ont des métiers ou des savoir-faire qui sont à valoriser. Et donc, voilà, c'est aussi tout ça qui est derrière. Donc, on ne parle pas que d'échanges économiques dans les monnaies locales. C'est ce qui est écrit sur les billets de roue, d'ailleurs. Hein. Il y a écrit, alors je ne sais pas si c'est visible à l'écran, mais il y a écrit « Donnons du sens à nos échanges ». Voilà, c'est plus visible sur le billet de 13. Et c'est ce que dit Damien, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que tout le monde connaît dans sa ville un commerce qui un jour ou l'autre a eu des difficultés parce que c'est compliqué, etc. Ce que je vois, c'est que quand ça arrive ici, et c'est arrivé récemment, un commerce de centre-ville à Arles, qui, on a su très vite qu'il y avait des problèmes, qu'il y avait des difficultés. Il y a eu une mobilisation mise en place pour essayer de rappeler aux gens que c'était bien s'ils allaient acheter quand même dans ce commerce-là. Et ça s'est fait par les réseaux liés à la monnaie locale. Ce que je veux dire, c'est que la monnaie locale, dans ce sens-là, joue un rôle effectivement un rôle concret dans un mot très valise, très fourre-tout, qu'est le lien social. On le voit vraiment, ça marche, ça fonctionne. L'autre exemple que je prendrais, c'est il y a une association qui s'appelle Zéro Déchet, qui a lancé qui a eu l'idée d'un projet, et de manière très naturelle, la roue du Pays d'Arles a accompagné le projet. C'était pendant la période confinement, des dons aux étudiants, c'est-à-dire que dans certains magasins, et dans beaucoup de magasins qui ont accepté de jouer le jeu, il y avait une petite boîte où des gens pouvaient donner, en roue ou pas, un peu de sous à des étudiants, ou pouvaient acheter des produits pour des étudiants qui après passaient et pouvaient les récupérer. Voilà, ce genre de choses, ce genre de solidarité. Donc Damien a parlé effectivement du lien social, mais il y a aussi de la solidarité qui est véhiculée par ces monnaies locales. Bref, il y a une conscience de l'autre, et il y a une conscience que donnons du sens à nos échanges. Ça veut dire que échanger, on a pris l'habitude que ce soit uniquement un bien ou un service contre de l'argent. En fait, non. C'est avant tout échanger entre deux personnes, même s'il y a une personne qui représente une institution, parce que ça va être un magasin, une entreprise, collectivité territoriale, etc. Mais échanger, c'est quand même avant tout ça qui nous porte. C'est ça. Et donc, du coup, je prolongerai ce que tu dis en posant un peu une question rhétorique, c'est-à-dire que c'est bien beau qu'on essaye d'échanger, d'essayer de trouver d'autres manières d'échanger et de valoriser d'autres types d'échanges que l'aspect purement économique à travers les monnaies locales. Mais en fait, si on le fait juste entre nous, entre citoyens, en bricolant des choses, alors on fait des exemples, des super idées qui vont rester à une échelle assez petite, mais qui restent des très bonnes idées. Et donc, la question de quel type d'échange, et aussi quelle échelle de ces échanges-là. Et donc, à la roue, comme on l'a dit avant, on a assez rapidement conçu l'idée qu'on pouvait se mettre à travailler avec des collectivités locales et qu'on aurait des échanges qui seraient sûrement plus riches si la collectivité essayait de crédibiliser le projet. Et donc là, peut-être que Violette, tu peux nous expliquer en concrètement en fait le rôle du Grand Avignon dans le aujourd'hui en fait avec la roue Vaucluse. Voilà, pour qu'on voit le type d'échange qu'on a noué avec la collectivité et qu'est-ce que ça apporte réellement, le fait que la collectivité soutienne la monnaie locale, au-delà juste du fait qu'il y a peut-être plus de roues en circulation, mais il y a sûrement bien d'autres choses derrière que ça. Oui, très récemment, en fait, il y a, à la suite du premier confinement, le Grand Avignon s'est intéressé d'encore plus près à la question de la monnaie locale et justement par son ancrage territorial et par l'échelle en fait de son action, puisque il s'agissait en fait de trouver des mesures, des projets qui puissent permettre de participer à une forme de relance de l'économie locale suite au premier confinement. Et donc c'est la monnaie locale a été une des parmi la quinzaine de mesures qui a été retenue, qui a été identifiée comme un moyen efficace pour participer à cette relance. Les liens se sont construits autour de plusieurs idées. L'idée, c'était
de pouvoir donner confiance en la roue, de pouvoir mieux la faire connaître et de pouvoir inciter à son usage. C'est un petit peu, on en parlera peut-être un petit peu plus dans la troisième partie. Mais il y avait cette idée, en tout cas, ça a été grâce aussi au projet antérieur qui avait été mené en partenariat entre la collectivité et l'association, qu'on en est arrivé en fait à ce point avec cette crise sanitaire de changement d'échelle du partenariat et du coup aussi d'aider en fait la roue à changer d'échelle sur le territoire du Grand Avignon. L'intérêt aussi pour même si la collectivité, forcément, elle s'intéresse à l'échelle de son propre périmètre, il faut savoir que le Grand Avignon, sa spécificité, c'est que le territoire est situé sur deux départements et deux régions. Donc, en fait, le fonctionnement de la roue, finalement, ça, c'est plutôt très adapté à la situation, même si c'est une situation administrative du Grand Avignon, et de pouvoir aussi, puisque c'est vraiment un territoire qui est situé au croisement du Rhône, de la Durance, des Bouches-du-Rhône, du Gard, du Vaucluse, etc., de pouvoir aussi mettre en place des outils qui soient en cohérence avec la réalité de son territoire et du coup, avec ces différentes échelles d'action. Est-ce que peut-être tu peux nous détailler ce qu'a fait le Grand Avignon, notamment suite au Covid, avec la roue ? Histoire que ça nous emmène sur la suite. Ok, très bien. Je pensais en parler après, mais pas de problème. Du coup, comme je disais, la première chose en fait qui a été identifiée, la roue, elle est connue sur le territoire du Grand Avignon, mais l'idée c'était de donner confiance, notamment aux sceptiques qui effectivement identifiaient la roue comme plutôt un biais de monopoly qu'une vraie monnaie locale. Et donc, la première chose en fait, qui a été proposée, c'est que le Grand Avignon adhère à la roue. Ça a été la première étape pour montrer que si la collectivité s'intéressait à cette monnaie et y adhérait, c'était qu'a priori, tout le monde pouvait y aller sans crainte. La deuxième étape, ça a été de communiquer sur son intérêt, faire connaître la roue. Donc, il y a plusieurs choses qui ont été faites. Il y a tout un travail en fait de communication qui a été fait avec l'association. Essayer de repenser un petit peu les supports de communication et surtout toute une campagne en fait sur les réseaux sociaux et en affichage, notamment sur les culs de bus de l'agglomération. C'était pendant un mois sur les culs de bus dans toute l'agglo, il y avait l'affiche qui communiquait sur la roue, notre monnaie à nous, qui incitait du coup à aller se renseigner sur ce que c'était. Ce que j'ai pas précisé, pardon, c'est que aussi au-delà de l'adhésion à la monnaie locale, il s'agissait aussi de pouvoir accepter la roue dans les régies. Donc ça c'est une étape qui est longue à mettre en place. Donc ça s'est pas fait immédiatement. Il y a un an au moment de la campagne de communication, c'est quelque chose qui est toujours en cours, mais c'était toujours dans le même esprit de pouvoir dire que si les régies du Grand Avignon, qui sont l'Opéra, l'Autre Seine et le Conservatoire, acceptent la roue, c'est qu'a priori tout le monde peut y aller aussi en confiance. Du tac au tac, j'insiste là-dessus parce que c'est très très important. Depuis la loi de 2014 qui a donc inscrit les monnaies locales dans le code monétaire et financier, les collectivités territoriales ont le droit d'accepter les monnaies locales en régie. Et effectivement, quand Violette dit que c'est long parce que souvent, que ce soit au niveau technique ou au niveau politique, ça bloque parce qu'il y a des questions, il y a des gens qui savent pas, etc. Donc il y a heureusement des échanges entre toutes les monnaies au niveau national c'est encore plus vrai entre la roue. Mais quand quelqu'un fait quelque chose quelque part, on échange là-dessus pour faire avancer les choses. Le fait que ce soit légal et complètement possible, il faut déjà du temps pour que les gens acceptent ça. Ils ont l'impression que c'est pas des euros cette monnaie. Voilà, c'était juste une petite remarque et pour dire à quel point on était content que le Grand Avignon soit
ait réussi à passer tout ça pour se lancer avec nous. Et en effet, même ça a demandé vraiment un travail important aussi auprès de nos collègues, hein, de pouvoir expliquer à tous les services qu'elle allait être concernée. Et il y en a beaucoup finalement déjà c'était pas pour les embêter. Et ça c'était c'est important aussi que c'était les convaincre aussi de l'intérêt de cette monnaie. Et puis aussi un gros travail de rassurer et de sécuriser toutes les opérations qu'elle allait avoir autour de la roue, notamment avec le Trésor public. Puisque voilà, les collectivités, c'est très très sécurisé, c'est un fonctionnement des finances publiques qui est assez assez lourd, et donc malgré ça, c'est possible d'accepter la roue dans ces régies. Et aujourd'hui, c'est à titre d'expérimentation dans ces régies. L'idée, c'est de pouvoir peut-être à l'avenir aller plus loin. Sur la dernière dimension qui était importante, sur inciter les citoyens à utiliser la roue, le choix qui a été fait, c'était de financer en fait à l'association, sous la forme d'une subvention, une enveloppe de bonification du change. C'est-à-dire que donc c'était une bonification de 20%, c'est-à-dire que pour 10 euros changés en roue, l'adhérent en recevait 12. Jusqu'à en fait consommation de l'enveloppe des 10 000 euros qui était prévue pour prendre en charge ce bonus. Donc l'idée, c'était évidemment d'injecter davantage de monnaie sur le territoire et évidemment inciter de nouveaux adhérents avec ce petit plus qui était financé par la collectivité. L'idée, c'est que donc il y avait un plafond par adhérent pour éviter aussi. L'idée, c'est que le plus de monde en profite et pas forcément les mêmes personnes. Sachant que l'alternative qu'on avait proposée, c'était que ce bonus pouvait être donné à une association locale. Donc on pouvait soit prendre pour nous ce bonus, soit le donner, en faire don à 4 ou 5 associations qui acceptent la roue. Et là, il n'y avait plus de plafond. Donc, c'est-à-dire les adhérents pouvaient avoir un bonus à chaque change et à condition de le reverser en don à l'association de son choix. Ça fait référence au type d'échange dont on parlait, hein, de solidarité et de démocratie aussi. De pouvoir aussi soutenir des projets locaux portés par des associations. Je ne sais plus si j'ai peut-être fait le tour. Je pense que j'ai à peu près fait le tour des mesures qui ont été mises en place. Ton micro, Nicolas. Ça fait une belle entrée en matière pour la suite. Oui. Ouais. On passe à la question suivante. Alors, quelle stratégie de mise en œuvre et conditions de mise en œuvre? Alors, du coup, ce que Violette a raconté juste avant, ça fait une bonne transition, en disant en fait que l'idée de dire, si c'est pour quel type d'échange, en fait, c'est pour tous les échanges, autant essayer de les densifier, de les massifier et de les diversifier au maximum. C'est un peu le sens d'aller travailler avec une collectivité territoriale quand on a une monnaie locale. Et une fois qu'on a l'idée, une des stratégies qu'on a, c'est que l'idée qu'on a réussi à un endroit. Si on a réussi à un endroit avec une collectivité, on va aller essayer de dupliquer la réussite dans la collectivité voisine, tout en gardant la spécificité de la collectivité. Donc, par exemple, on a la ville de Salon-de-Provence là, qui a adhéré en juin, donc il y a très peu de temps. Cette adhésion, elle n'aurait jamais été possible déjà si le Grand Avignon n'avait pas lui-même mis la première confiance en adhérant. Et je pense que le Grand Avignon n'aurait pas forcément adhéré si la ville de Bayonne n'avait pas adhéré avant. Enfin bref, s'il n'y a pas un échange entre les monnaies locales de bonnes pratiques et de dire, là en fait c'est intéressant parce que ça fait exemple, ça marche, du coup on y va. La ville de Salon par exemple, elle va là à Noël faire un abondement de change. Donc un peu ce qu'on fait le Grand Avignon là, des 12 euros pour 10 euros.
qui vont faire ce système-là, mais vraiment, eux, pendant la période du marché de Noël, pour inciter les Salonnais à aller dans le centre-ville de Salon, chez les commerces du coup du centre, plutôt que d'aller faire leurs courses sur Internet ou dans les centres commerciaux éloignés du centre. Donc, pareil, ils sont dans la même idée que en donnant ce bonus, ça va inciter les Salonnais à aller reconsommer dans le centre-ville, et ils vont sûrement aller dans des boutiques qui prennent pas non plus la roue, mais ils iront chez les petits commerçants et du coup ceux qui font vivre le centre-ville au-delà juste de la question on va dire de l'échange économique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire beaucoup, et c'est facilité à la roue le fait qu'on soit cette association. Quand il y en a une qui réussit sur quelque chose, et ben on a une facilité de le dupliquer qui est simple, parce que on a la même monnaie, donc ça donne plus confiance que si c'était une monnaie différente. Et en même temps, quand Avignon a passé, quand on est avec la roue Vaucluse y a passé beaucoup de temps. Il y a eu peut-être des bonnes idées, des mauvaises idées, mais les bonnes idées ont été retenues, elles ont marché, et du coup, nous, on a juste à retenir la bonne idée et à la dupliquer sur notre territoire. Et ça, c'est une grosse force. Le fait qu'on soit ensemble, enfin, pour nous, ça renforce l'idée que on a une autonomie locale, mais on partage beaucoup de choses au niveau régional. Vas-y, Nicolas. Non, ça prend du temps d'être ensemble. Hein. C'est-à-dire que faut pas nier le fait d'être à la fois sur un territoire donné et vouloir communiquer sur sept territoires qui ont des problématiques extrêmement différentes et qui sont pas tout à côté. C'est vrai que ça prend du temps. Il faut être prêt à ça, mais je pense effectivement que c'est une force. Et je revenais sur ce que Damien disait sur le côté. Ça se duplique, mais ça se duplique, ça se copie pas. Et c'est intéressant de voir effectivement ce que ça souligne là, c'est à quel point la monnaie locale, c'est pour ça que c'est un instrument qui est hyper intéressant, la monnaie locale permet énormément de choses en fonction de ce qu'il y a comme envie. Alors, de temps en temps, on imagine quelque chose et puis c'est pas exactement ça qui se passe, mais on voit bien que entre une municipalité qui décide de flécher des achats de Noël dans les commerces du centre-ville, on est complètement dans l'esprit de ce que c'est que la monnaie locale, hein. C'est la redynamisation des commerces locaux, qu'ils soient centre-ville ou pas d'ailleurs, mais redynamisation des commerces locaux, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Et c'est vrai qu'il y a d'autres municipalités dans le département des Bouches-du-Rhône qui, l'an dernier par exemple, ont fait un chèque cadeau aux habitants sans que ce soit libellé en roue, puisque c'est une ville qui est encore dans la roue. Donc, c'est les habitants ont reçu des bons cadeaux en euros. Vous imaginez bien que c'est plutôt dans les grandes surfaces de périphérie que cet argent-là a été dépensé. Or, pour nous, il nous semble, et c'est ce que rapporte par exemple le travail qui a été fait sur l'utilité sociale, l'impact social des monnaies locales, mais qu'on a tous envie, même si on ne peut pas toujours, on a tous envie de que ce soit plutôt les petits commerçants, les gens localement implantés qui profitent de notre consommation, que des grandes machineries qui payent mal leurs salariés, qui ne les traitent pas toujours bien et dont les bénéfices sont de toute façon pas réinvestis dans le territoire. C'est ça. Voilà, après juste là-dessus, je voulais encore dire autre chose, mais c'est qui était à l'articulation sur le développement et la question d'avant sur les échanges et qui me semblait aller dans le sens de l'histoire de l'implication des collectivités territoriales, c'est qu'on a dit, hein, quand on met en place une monnaie locale, assez rapidement, on touche les personnes, on va dire, convaincues, les personnes conscientisées et convaincues. Il y a ce que Violette rappelait, il y a des personnes qui sont, on va dire, sceptiques, voire réfractaires, et donc il y a tout un travail à faire pour leur expliquer ce qui est possible et ce qui n'est pas possible aussi, hein. Il ne s'agit pas de nier la réalité des difficultés parfois. Mais il y a aussi toute une partie des gens, et pour moi, la réussite de tout ça, ça dépendra de ça aussi, des gens qui sont pas encore concernés. Ils ne sont pas encore concernés parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Ils ne sont pas concernés parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils ne sont pas concernés parce qu'ils n'ont pas les habitudes de consommation qui sont, on va dire qu'en général, les monnaies locales, au début, elles commencent par rentrer dans des magasins qui sont un certain type de consommation très local, très conscientisé, on va dire, des problèmes environnementaux, bio, etc. Et l'arrivée des collectivités territoriales, c'est une étape dans ce développement du réseau qui fait qu'on peut espérer faire en sorte que des gens qui n'ont pas forcément les moyens se retrouvent embarqués dans ce qu'on essaie tous de faire, qui est
de réorienter un peu la course folle du monde, on va dire. Tout à fait. On peut très bien imaginer sur modèle que de ce qu'a fait Grenoble, mais qui va peut-être être dupliqué chez nous. On ne peut pas en parler plus parce que ce n'est pas encore fait, mais voilà, l'idée de donner un complément d'allocation par le CCAS en monnaie locale, du coup, à des personnes qui vont du coup avoir un pouvoir d'achat supplémentaire de fait. Et forcément, vu que c'est en monnaie locale, elles seront obligées d'aller le consommer dans des boutiques chez lesquelles elles ne vont pas forcément à première vue. Du coup, ça peut leur ouvrir derrière une porte sur ah ben en fait ici je peux trouver des produits peut-être de qualité, faire travailler des vrais producteurs locaux, voilà, et donc semer une petite graine. Et donc là, il y a un rôle qui peut être vraiment intéressant pour essayer de développer le projet à des acteurs qui au départ sont pas dans la monnaie locale parce que voilà, comme disait Nicolas, ils ont peut-être pas en fait tout simplement la proximité avec ça de par leur mode de vie aujourd'hui. Voilà, donc ça fait partie des stratégies. Oui. Juste sur des dépenses dans des commerces, mais et c'est là où la collectivité territoriale, je suis désolé de le rappeler, mais a un rôle aussi sur certains types de services publics en régie que les gens n'utilisent pas forcément. Enfin, moi, ce que j'imagine bien, c'est effectivement une collectivité territoriale qui récupère des roues, qui va les donner à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de mettre leur gamin à la cantine. Si en plus la cantine elle est payée en roues. C'est pas mal parce que ça veut dire que la collectivité territoriale derrière récupère les sous qu'elle a déjà fournis, mais a permis à des gens d'accéder à la cantine ou d'accéder à la piscine ou d'accéder à l'opéra. Et donc ça devient vraiment une solution qui est gagnant-gagnant. Des gens qui ne seraient pas forcément allés à l'opéra, parce que voilà, on peut leur donner un billet d'opéra, mais on peut aussi leur donner la monnaie locale, qu'ils aient le choix de le dépenser dans certains types de commerces, d'utiliser certains services proposés par la collectivité territoriale. Et la collectivité territoriale, dans tous les cas, ils retrouvent ces petits, parce que dans un cas, elle récupère les sous, et dans l'autre cas, c'est effectivement les commerces locaux qui sont bénéficiaires. Enfin, voilà, il y a des trucs comme ça qui sont hyper intéressants sur la monnaie, parce que la monnaie, avant tout, c'est un outil de lien. Oui, je ne sais pas si je rebondis effectivement sur développer dans davantage de régies. Je pense que c'est une piste qui, après avoir convaincu avec les premières régies, je pense que ce sera aussi beaucoup plus facile de multiplier les endroits où dépenser des roues. Il y a aussi un effet à l'intérieur, ce que disait Damien avec. Ces salons hein, qui a adhéré, c'est aussi au sein de nous du coup des communes du Grand Avignon qui commencent à s'intéresser de plus en plus à la monnaie locale. C'est voilà une autre piste de développement. Simplement, je voulais aussi dire un mot par rapport à la question de quand on parle de relocaliser l'économie, on parle aussi souvent beaucoup d'alimentation. Il se trouve que le Grand Avignon porte un programme alimentaire territorial que je coordonne et la question de faire le lien entre la monnaie locale et les filières agricoles et alimentaires, c'est aussi une question qui nous intéresse beaucoup et qu'on souhaiterait aussi pouvoir développer, creuser. Ça, c'est pas encore concrétisé sous quelle forme de projet, mais l'idée, c'est de pouvoir aussi remonter les filières et identifier quel maillon de la chaîne aujourd'hui est absent ou peu ancré sur le territoire, que ce soit certaines entreprises de transformation agroalimentaire ou certains types de production agricole qui n'existent pas et qui pourraient être identifiés grâce à la monnaie locale. Donc c'est une piste aussi de projet. La monnaie locale comme révélateur de richesse ou de manque de richesse à certains endroits, effectivement, et avec cette idée que plus on est de personnes dans le réseau, de structures, d'individus, d'entreprises, d'associations, de tout ça, plus on peut avoir une espèce, grâce à la circulation de la monnaie, de photographie courante de ce que c'est que l'économie du territoire. Et alors ça, pour les billets, c'est un peu compliqué, mais on est en train de travailler justement à d'autres outils pour encore développer tout ça. Enfin, je ne sais pas, Damien, là, pour le coup, Oui, c'est ça, tu me tends la perche. Donc, effectivement, on nous dit souvent que, voilà, on disait tout à l'heure, le fait de faire de la monnaie locale dans notre coin sans une collectivité territoriale, des fois, on rate certains publics, on a un problème de crédibilité. Donc, la collectivité, c'est un acteur qui, si jamais il rentre dans le projet, qui va lui faire passer une marche
vers un changement d'échelle. Et une deuxième marche qui peut être franchie, c'est quand on passe en, on met en place une monnaie numérique, une monnaie locale numérique, en parallèle des billets, bien sûr. Hein, le but, c'est pas de supprimer les billets qui sont très importants pour l'appropriation du projet, mais c'est de, du coup, de dire que, de faciliter l'échange, en fait. Donc, en pratique, aujourd'hui, la plupart des fournisseurs et des professionnels échangent par virement, parce qu'ils se baladent pas avec des liasses de billets, voilà. Donc, et même pour nous, hein, les particuliers, on a de plus en plus une carte bancaire ou voilà, des applications de paiement. Et les billets ont tendance plutôt à être réduits, même s'ils existent toujours pour certains usages. Et donc voilà, l'idée là, c'est de passer en 2022 à une monnaie numérique. Par contre, c'est pas question de faire une monnaie numérique telle le Bitcoin ou des choses qui sont pas du tout dans nos valeurs. C'est du coup d'avoir un moyen de paiement, on va dire simple à utiliser, qui s'installe sur un smartphone, voilà. Ou peut-être une carte de paiement à terme, où on puisse payer du coup chez un commerçant à travers un QR code. Donc, on va pouvoir scanner un QR code et lui de payer une somme donnée. Voilà. Donc, en articulation avec les billets, hein, je répète. Hein, ce que Damien bien dit, sûr, et en articulation avec les billets, c'est ça. Le but, c'est de proposer une nouvelle solution de paiement pour faciliter les échanges. Ce qu'on voit, en fait, c'est que les monnaies locales qui ont déjà mis ça en place, dont le JCO, que vous pourrez écouter mercredi, en fait, ont une progression de leur nombre de monnaies en circulation qui est très importante. Parce que le JCO, là, en un an et demi, deux ans, est passé de 1,2 million en circulation à 3 millions. Là, ils ont passé les 3 millions il y a quelques jours de JCO en circulation. Là où nous, la roue, on est à moins de 300 000. Là, on est entre 250 et 300 000. Donc, vous voyez l'écart qu'il y a. Et essentiellement, c'est la monnaie numérique qui crée cet écart-là. Donc voilà, faire un système de paiement numérique qui soit le plus possible open source, qui soit installé sur nos serveurs, donc maîtrisé. On n'est pas en train de passer par des grandes banques internationales que l'on combat à travers le projet en parallèle. Donc voilà, l'idée vraiment de se simplifier la vie et du coup de faciliter aussi l'entrée de professionnels qui touchent moins d'argent en billets dans le réseau, qui vont pouvoir du coup participer au projet de cette manière-là, de simplifier aussi par exemple des paiements d'indemnité d'élus en monnaie locale, ça pourrait être fait par des virements du coup, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà, ça c'est une des marques de changement d'échelle sur lesquelles on travaille depuis 2 ans, 3 ans, notamment là ces derniers temps avec une association qui s'appelle Loca Valuto qui regroupe d'autres projets de monnaie locale, et encore une fois on est dans la coopération, on mutualise les moyens, on mutualise les ressources humaines, les moyens financiers, pour essayer de sortir un projet qui, en fait, va aider tout le monde. Puisque nous, la roue, on a cette idée-là de faire la monnaie numérique, mais on n'est pas les seuls à avoir cette idée et ce besoin. Et donc, c'est important de faire ensemble. Donc, ça me permet d'enchaîner sur un autre aspect de stratégie, c'est l'idée de s'organiser. Et s'organiser, ça permet aussi de se développer plus. Donc, nous, on s'organise ensemble, comme disait Nicolas, depuis 5-6 ans à travers l'association régionale de la roue. Donc, c'est long. Mais on est plus fort, du coup. Le fait qu'on s'organise, on est plus fort. On est aussi plus fort pour soutenir ceux qui sont en difficulté, pour que aussi ceux qui sont un peu les têtes de proue, voilà, qui arrivent à faire des super initiatives, elles soient mieux appropriées par les autres. Donc ça, c'est vraiment un super truc. On s'organise aussi au niveau national, parce que voilà, on est la roue membre du Mouvement Sol, donc Fédération des monnaies locales. Et au Mouvement National, on fait des actions diverses. On fait du plaidoyer, notamment, pour faire évoluer la loi, pour que les collectivités puissent plus facilement payer en monnaie locale, ce qui aujourd'hui est pas simple, c'est possible, mais c'est compliqué. On peut recevoir de la monnaie locale en tant que collectivité, mais on peut difficilement en dépenser. Donc là, on essaye de travailler là-dessus. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de s'organiser, de communiquer les expériences des uns des autres, tout en gardant la spécificité du territoire, donc un peu un principe de subsidiarité. Et à la roue, du coup, on a un peu une double subsidiarité, puisque à la fois, on s'enrichit des expériences, toutes les monnaies locales, des 80 monnaies locales de France, et en plus, localement, on décline un peu comme on a envie, les différents projets à l'échelle des bassins de vie, donc des associations locales. Et ça, c'est... Et on met en œuvre voilà, aussi une stratégie régionale, donc qui est aussi un élément d'organisation, c'est-à-dire qu'au départ, la roue, c'est des territoires qui font tourner la même monnaie, mais là, depuis peu, et de plus en plus, c'est, OK, on fait ça localement, mais on va aussi se dire qu'ensemble, on se met ensemble et on va aller chercher des partenariats à une échelle régionale, on va aller chercher des financements à l'échelle régionale qui vont après... réellement ruisseler au niveau local pour le coup. Enfin, l'idée c'est ça, c'est que voilà, quand on va chercher des fonds au niveau régional ou quand on monte des projets régionaux, ça serve tout le monde et que ça dessert pas un acteur. Parce que par exemple, des fois, si on travaille avec un acteur régional, il y a peut-être les Hauts Alpins qui vont pas forcément être en phase avec cet acteur, alors que les Marseillais vont pas y voir d'inconvénient et vice versa. Et donc voilà, tout ça c'est du débat. On retombe dans les idées de, on construit le projet, on le consolide, voilà, en étant ensemble. Donc ça prend du temps, mais ça crée une richesse et une force plus importante dans le projet.
sur une base citoyenne, et pour beaucoup d'entre nous, même s'il y a des salariés, et heureusement dans les monnaies locales, même s'il y a des personnes dont professionnellement ça va être de plus en plus le travail de travailler avec les monnaies locales, que ce soit dans les collectivités territoriales ou dans les entreprises, puisque effectivement il est possible de payer par exemple des salaires en monnaie locale, plus ça va se faire, plus il va falloir que les gens s'organisent, les comptables, etc. Mais il y a beaucoup de bénévolat, et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment pour moi important, le cœur de ces monnaies locales, c'est quand même tout. C'est au départ une réappropriation citoyenne de ce que c'est que la monnaie. Ça veut dire que tout le monde peut venir rejoindre les associations, tout le monde peut venir mettre son grain de sel dans les discussions. Et c'est là-dessus qu'on construit quelque chose. C'est-à-dire que, pour en revenir à ce que disait Damien au tout début, hein, les monnaies locales de ce type-là sont nées dans suite à la crise de 2008. Et quand on regarde ce que disait, alors c'était la catégorisation faite par Patrick Vivray, hein, qui était justement pendant longtemps un des fondateurs, animateurs du mouvement SOL, qui parlait bien des dysfonctionnements du système monétaire international qui avait mené à la crise de 2008 et auquel les monnaies locales d'une certaine manière répondent. Et de ce dysfonctionnement, il voyait le côté, la démesure de l'économie spéculative par rapport à l'économie réelle. Le principe des monnaies locales, c'est que justement, c'est des monnaies non spéculatives par essence, puisqu'elles ne peuvent être que dépensées. Le deuxième, c'était la coupure entre économie et écologie. Pareil, avec leur côté local et avec leur côté attention. Alors, chaque monnaie met une charte dans laquelle ils pointent plusieurs choses différentes. Mais en tout cas, l'attention aux questions environnementales, elle est au cœur aussi de la plupart de des projets de monnaie citoyenne. Et la troisième, c'était la coupure entre finance, monnaie d'un côté et exercice de la citoyenneté de l'autre. C'est-à-dire qu'une des conséquences, notamment de l'euro, mais c'est quand même certainement remonté avant, on pourrait parler des changements de loi dans les années 70, c'est que les citoyens sont de plus en plus loin des gens qui prennent les décisions qui les concernent sur un outil qui est pourtant au cœur de ce qu'on est, nous, en tant que citoyens. On n'est pas des consommateurs, on est des gens qui échangeons. On échange des biens, des services, on échange avec d'autres personnes, etc. Et l'outil dans lequel s'est mis toute cette possibilité d'échange, c'est devenu la monnaie. Et cette monnaie, elle est discutée, décidée, organisée, gérée par des gens qui sont de plus en plus loin des préoccupations des gens. Et c'est une des choses qui a mené à la crise de 2008. Et c'est les monnaies locales, une des choses sur lesquelles elle essaie de travailler. Voilà. C'est pour ça que j'insistais sur cette question de démocratie. C'est une belle conclusion, non? Alors, je crois qu'on devait tous conclure par une phrase. On peut essayer de se passer derrière, mais moi j'ai une petite phrase à dire. Donc là, on a expliqué un peu que voilà, notre stratégie, c'est d'essayer de toucher plus de personnes que notre cercle qu'on connaît déjà et de massifier l'usage, notamment à travers de la monnaie numérique. Voilà, parce que moi, je suis venu aux monnaies locales après avoir vu le film Demain. Pourtant, avant d'avoir vu, j'avais, pour la petite histoire, été à une conférence à la Gonette à Lyon en 2014 ou 2015, donc voilà, et j'avais pas trouvé ça pertinent du tout comme outil, comme quoi on peut changer du tout au tout si on s'intéresse à réellement à ce que c'est et à avoir trouvé le bon discours pour connaître connaître ce que c'est cet outil. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui les monnaies locales, elles sont contestées par c'est très difficile de trouver des personnes qui vont être contre ce dispositif. Parce que ça sert l'intérêt général réellement et ça sert l'économie locale, ça sert le savoir-faire local de proximité, donc des personnes qui vivent sur un territoire, et donc c'est difficile de trouver des gens qui peuvent être contre ça. Et donc je pense qu'on aura on a aujourd'hui un défi qui est de réussir à se structurer pour être capable de digérer un afflux de personnes qui vont s'intéresser à ce dispositif et réussir à le faire grandir et à le professionnaliser, tout en gardant l'aspect citoyen aussi très important des deux côtés. Donc vraiment garder ce qu'on est au départ, tout en permettant d'être ouvert au plus grand nombre, pour permettre à un horizon 10-20 ans que tous les citoyens en France, ils aient à la fois des billets d'euros dans leur poche pour les échanges qui relèvent d'un niveau macro-territoire, et un billet de monnaie locale pour tout ce qui relève des échanges de leur territoire. Et que et je pense que cette perspective, en fait, elle est totalement plausible, et que en fait aujourd'hui la bataille culturelle, elle est en train d'être gagnée, puisque malgré le Covid qui nous a fait beaucoup de mal en termes de nombre d'adhérents et de circulation de la monnaie, l'idée même de la monnaie locale et les concepts que ça et ce à quoi ça sert, ça a gagné beaucoup en poids dans l'espace public, dans le débat public, et donc ça ça donne beaucoup confiance pour la suite. Et donc voilà, la stratégie qu'on a, c'est rester soi-même tout en permettant d'être ouvert à un maximum de personnes
et en pouvant jouer le rôle qu'on cherche à jouer depuis nous 10 ans à la roue et de pouvoir le jouer avec cette diversité-là de parties prenantes. Violette, je ne sais pas si tu veux... Je ne sais pas si je peux. C'était bien comme conclusion aussi. C'était une première... Là, il y a eu vraiment un moment de partenariat assez fort avec la roue et le Grand Avignon et je pense que il y a encore beaucoup de choses à faire, donc je pense que la collectivité continuera à vous aider à porter ce discours et à faire connaître au-delà des cercles des militants. Merci.